et elles ont dit. Monsieur le député, est-ce qu'il y a une chance pour que cette loi sur l'égalité réelle soit votée avant les prochaines élections présidentielles? Je souhaite. Personnellement, je trouve qu'on a raté une occasion de faire quelque chose plus en amont. Il reste très très peu de temps avant les élections présidentielles, mais je souhaite vraiment que à la fois le gouvernement, mais aussi le Sénat, donne une priorité à ce texte, de telle sorte qu'avant le 31 décembre, ou plus tard peut-être le fin janvier, que ce soit voté complètement. Le gouvernement a dit à un moment que cette loi était pour lui une priorité nationale. Or, dans votre exposé de ce matin, on a vraiment eu l'impression que vous avez très fortement lutté contre le gouvernement. Pourquoi est-ce que ça n'allait pas de source, finalement? Ça ne coulait pas de source? Je pense qu'il faut être honnête. L'idée de l'égalité réelle, c'est une idée importante et intéressante, dans le sens où ça fait 70 ans, depuis 1946, que nous luttons pour que les mêmes droits sociaux, par exemple, appliqués dans l'Hexagone, s'appliquent ici. Et ce travail de longue haleine, si un État, un gouvernement, si Hollande a pris cette décision et nous l'avons supportée, c'est pour qu'on aille à terme. Mais c'est bien d'employer un beau mot. Et puis derrière, il n'y a pas ni grand-chose. Parce que la première mouture du texte, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait 14 articles et il n'y avait rien de concret dans la première mouture. On a tellement travaillé en commission que nous avons fait passer le texte de 14 articles à près d'une centaine d'articles, avec un volet économique très important, un volet social très important. Je prends l'exemple de ce qu'on appelle le complément familial, des petites retraites, des gens qui touchent très peu d'argent, notamment des personnes âgées. Eh bien, on avait des décalages très importants financièrement entre ces droits sociaux, le complément familial ou les retraites, les allocations familiales, entre l'Hexagone et la Martinique. Donc on a fait telle sorte de rattraper ces écarts-là. Le gouvernement doit assumer, et on a battu le gouvernement à plusieurs reprises, parce qu'ils ont des soucis de gestion, je comprends bien, mais il y avait des choses qui étaient pour nous impossibles et inacceptables. Quand vous avez entre 50 et 100 euros d'écart sur le complément familial parce que tel plafond est inférieur par rapport à l'Hexagone, ce n'est pas acceptable. Voilà. Est-ce que le volet économique que vous avez fait adopter est plus important aujourd'hui que le volet social? Honnêtement, sur le volet économique, il n'y avait rien au début du texte. Il n'y avait pas grand-chose au début du texte. On a adopté plein de choses, premièrement l'extension de la LODEOM pour encore 2 années, parce que ça devait s'achever assez brutalement en 2017-2018. La LODEOM, rappelez-nous ce que c'est. C'est la loi de développement de l'outre-mer, développement économique de l'outre-mer, qui est prolongée, et on a exigé, demandé et obtenu à ce qu'on trouve une solution de substitution aux zones franches qui existent aujourd'hui. On peut créer une autre forme de zone franche. Moi, je parle de zone franche expérimentale, qui nous permet à la fois d'avoir, bien sûr, des exonérations, des abattements, c'est ça le principe de la zone franche, mais surtout lié à la transformation de nos produits avec des ports francs pour assumer aussi le volet et servir la consommation locale, mais c'est exporter aussi éventuellement tout ce qu'on peut exporter. Donc ça, c'est une bataille sérieuse. Et puis deuxièmement, sur le logement, on a obtenu des avancées, notamment la réhabilitation et des logements anciens de plus de 20 ans qui, dans les bourgs, posent de vrais problèmes, la réhabilitation du patrimoine HLM qu'il faut poursuivre dans de meilleures conditions, et la construction de logements intermédiaires. Parce qu'on construit des logements sociaux, mais on construit des logements de haut standing, mais entre les deux, il y a ceux qui ont des revenus qui sont au-dessus du revenu HLM et qui n'ont absolument rien. Donc on a reboosté ça en présentant des amendements qui sont passés. Quel est l'amendement le plus important, ou plutôt l'article le plus important actuellement de cette loi, selon vous? Moi, il y a trois articles très importants pour moi. C'est la question de l'amélioration du complément familial et des allocations vieillesse. Il y a beaucoup de personnes, 45 000 personnes pourraient être touchées par ça. Et deuxièmement, sachant qu'on a une population qui vieillit et qui a des ressources extrêmement précaires. Deuxième décision pour moi d'une très grande importance sur le plan social, c'est le soutien qu'on peut apporter à des gens très formés, Bac plus 4, Bac plus 5,
pour revenir en Martinique. Parce qu'on a une dépopulation de la Martinique, c'est pour moi quelque chose de très important d'obtenir ça. La troisième chose, c'est sur le plan purement économique, c'est le fait que le BTP rentre comme activité prioritaire au titre de la loi de développement de l'économie, pour permettre au BTP d'être reboosté un petit peu. Et puis la dernière chose, c'est l'aide au fret. C'est-à-dire, quand vous achetez des matières premières, vous faites venir ces matières premières de France et on vous donne une aide au fret pour transporter ces matières premières. Et bien, on n'avait pas cette aide-là si vous faites venir de Guadeloupe, et on n'avait pas si vous faites venir du Panama ou du Brésil ou de Bolivie. Et bien, on a obtenu à ce que cette aide au fret soit aussi utilisable pour les transferts d'intrants, ça s'appelle comme ça, des matières premières venant de pays tiers. Restez connectés aux Outre-mer avec outremernews.fr.